c'est Mister Fighter, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On va simplement aller faire le SBC, le SBC de Marco Asensio. J'espère que ce SBC va vous plaire, que la carte va vous plaire. Donc je vous la présente tout simplement, la carte en priorité tout simplement. Donc 4 étoiles de technique, 3 étoiles de mauvais pied, 86 de vitesse, 91 de dribble, 82 de tir, 82 de passe, 64 de physique, 84, 44 de défense. Donc moi je trouve que c'est plutôt correct pour la carte, je trouve qu'elle est plutôt à éviter 88, ça c'est vraiment important. Je trouve que c'est plutôt carré. Juste, il faut savoir que la carte va avoir une de ses stats qui va level up, qui va passer à 99. Donc en décembre, plus une carte Adidas, elle va level up. Et en avril, elle aura son dernier level up pour les 99 d'une stat. Donc moi, je trouve que c'est plutôt parfait, je trouve que c'est plutôt carré. Donc j'aimerais bien avoir cette carte dans mon équipe, car je sais pas si un jour ça va me servir, si un jour je m'en servirai. Le SBC, je trouve qu'il est plutôt pas trop cher. Personnellement, j'ai mis 0 crédit car j'ai tous les joueurs dans mon club. Donc, on va commencer par le premier défi, émulation tactique. Donc, joueur du Real Madrid minimum 1, un joueur équipe de la semaine et une note générale d'équipe 82 minimum, comme le chiffre 80. Donc, juste en voyant ce qu'il y a sur la carte, dites-vous qu'un joueur TOT, si vous n'êtes pas dans votre club, en échangeable, ça va à peu près 10K, les moins chers. Et après, pour une équipe comme ça, comptez allez, 5K max et vous aurez sûrement des joueurs dans votre équipe. Parce que 80 de général, c'est pas beaucoup. On va commencer par en haut la team. Donc Bogonda, Morales, Bogonda en ailier gauche, Morales en buteur. Et les droits, on a Marco Asensio, milieu central, on a Canales, milieu central, on a Pizzi, milieu central, on a Eriksen, défenseur gauche, on a Wendell, c'est la carte boost que j'avais dans mon club simplement. Défenseur central, on a Coates, défenseur central, on a Lenglet, défenseur droit, on a Wass, et en goal, on a Neto. Donc n'hésitez pas à prendre un screen, la team de chaque carte que je viens de vous montrer, un screen même de l'équipe actuellement. Pour pouvoir et bien la faire. Donc un petit peu prime joueur mélangé, ça fait plaisir. On prend la team. Maintenant on a un nouveau défi. Hop là. On va vendre un petit joueur en haut. Donc ce défi c'est la Liga Standard. Donc minimum un joueur de la Liga. Note 84 de mini. Note générale 84. Collectif 75. Pour un petit pack prime joueur or. Prime joueur or. Donc voilà, c'est un défi assez facile à faire également à la team. Donc 84 de général, c'est plutôt facile. Comptez à peu près on va dire 10K. 10-12K, en tout cas pour l'équipe que j'ai là, c'est quand t'as acheté tout joueur. On va dire que le plus cher ça va être Thiago Silva, mais je pense que vous pouvez facilement vous en débarrasser avec un autre joueur. Moi, tous ces joueurs, je les avais déjà dans mes packs, donc voilà. Donc 10-12-15K environ dans ces eaux-là, vous aurez ça. Moi, j'ai tout ça dans mon club, donc si vous avez des joueurs dans le club, ça va passer crème aussi la team. Donc, on avait même mis un goal à milieu droit pour vous dire. Donc, on va commencer par le top, donc Ibrahimovic. Ensuite, on a en milieu central, Ndombele, milieu central Havertz, mais ailier gauche Tadic, milieu central Kovacic, en goal Leno, défenseur gauche Digne, défenseur central Matip, défenseur central Thiago Silva et défenseur droit Trippier, goal Martinez. Bien évidemment, on a mis Leno en goal, juste faut savoir, et Tadic en ailier gauche, j'allais oublier. Qu'il n'y a pas besoin de faire de loyauté pour ce défi SBC et même pour lui d'avant. Toute une vidéo où je montre des SBC, je précise à chaque fois s'il faut faire de loyauté ou non la team. Donc on va pouvoir soumettre tout cela. N'hésitez pas à prendre une capture d'écran de chaque joueur ou même une capture d'écran, et bien là avec le stand de l'équipe. Donc c'est parti la team. On a un petit pack prime mélangé. C'est parti. Voilà. Le SBC est fait la team. Et on a la carte. Ça fait plaisir. Donc maintenant on va aller ouvrir. Ouais, la petite animation qui fait zizir. Voilà, team. On a la carte Marco Asensio. 85, donc pas d'animation, mais on a quand même toutes les flammes. Allez, on décale ça rapidement. Voilà, le défi est fait. On va aller ouvrir un petit pack pour terminer la vidéo tranquillement en beauté. C'est parti, donc un petit pack prime genre or. Donc 6 joueurs or, 3 rares dans les rares, 80 général garantie. C'est parti à la team. Petite animation peut-être, qui sait? Oh, des flammes. Donc, oh, je connais pas sa gueule. Ok, un petit. Ouais, j'arrive. Je vais pas prononcer le nom, ça va être horrible. Vous allez vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Donc, bon. Voilà, ça en prend. Ça ne va pas rembourser les SBC, je pense pas. Donc là, 2 or, 2 argent, 2 bronze, 3 rares. Ok. Waouh, le pack de merde. En plus, sa carte de merde, elle doit rien valoir. Je l'ai gardé, ça me servira pour des SBC, on ne sait jamais. Voilà.
Donc la team, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like avec la cloche bien évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou à rejoindre mon Discord pour me dire simplement ce que vous avez eu dans vos packs et si vous avez des vidéos sur des SBC et quel SBC vous intéresserait la team. Je vous dis à la prochaine vidéo, c'était Mr. Fighter. Ciao ciao la team.